Votre attention, docteur. Ici Bennett. Les jeux commencent dans quelques heures. Vous réalisez ? Si le vol a plus de 12 heures de retard, les passagers peuvent demander le remboursement du prix de leur billet. Le prix du billet ? C'est une blague. C'est des millions qu'on va demander au procès. Veuillez vous calmer, je vous prie. Les autres passagers apprécieraient sûrement. Hé, attendez ! Vous vous souvenez de moi ? On s'est vu à l'agonie, je suis un habitué. Moi, je vous connais pas. Vous énervez pas, je demandais. C'est tout. Et voilà la sécurité. Arrête tes conneries. On va plus m'arriver. Sur le tapis rouge. Retard est estimé à voilà, je t'envoie la combinaison. Le retard estimé est susceptible d'être modifié. Forme de Corbeud. Exactement. Avec ça, la sécurité d'Orbitalair ne devrait pas faire attention à toi. Mais oublie pas que les caméras et les robots sont pas aussi faciles à duper. Bon, trouve un coin tranquille et enfile ces fringues discrètement. Toilette en travaux. Nous vous informons que les rénovations du terminal Tico se poursuivent pour améliorer votre accueil. Putain de merde! Les agents de la FIA sont sur le réseau d'Orbitalair. Ils ont fait le forcing. Si la sécu d'Orbital le détecte, ça risque de chauffer. Aucune chance que ça arrive. Nos gars sont les meilleurs. Ils seraient invisibles même pour moi si je savais pas quoi chercher. Nos gars? Coule-toi un peu, allez.
les mécas marchent bien. C'est le système de retenue auto qui déconne. C'est l'alarme qui déclenche mon arrêt, c'est bien ça. Normalement, tu peux me passer la clé? Terminal Tico atteint. Je la trouve où, la porte latérale ou la porte de service? Il y a un petit problème. Oublie les portes latérales ou de service. Il nous faut un nouveau plan. Il se passe quoi, Song? J'ai dû mettre les voiles. La sécurité d'Orbital commençait à renifler autour du van. Oh putain! Ok, je sais. On va essayer le toit. Trouve l'ascenseur du chantier. Bien reçu. Quoi la suite? C'est le moment d'être créatif. Tu peux préciser? J'ai pu atteindre le toit, mais seulement la partie basse. Tu vas devoir m'aider à grimper pour te rejoindre. Dans ton état, tu pourras jamais jouer les funambules. Il doit y avoir maximum 35-40 mètres. C'est jouable. Je devrais jeter un coup d'œil. Mais scanne le toit, tu trouveras peut-être un truc. Ça a aucune utilité. Sacrée pluie. Je dois reconnaître que cet endroit est carrément mortel. Ah, une lance d'incendie. Somi, j'ai une idée! Ah!
t'attrape, Zong! Préviens-moi quand t'es prête. Léger. Tiens-la bien! T'es presque en haut! Oh merde, non, non, non! Je te tiens! Te voilà! C'était juste, putain! La prochaine fois... Non, je veux pas de prochaine fois. Pas comme ça. B, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis juste fatiguée. Ton cul chromé pèse une tonne. Je suis désolée. Arrête. Ce sera bientôt fini. Et en grande partie grâce à toi. Tes armes. Ah, je me sens mieux. Un signal radio. Merde. 5 encryptés. Y a un moyen que tu les écoutes? Je vais essayer. Faut qu'on avance discrètement, V. Si tu merdes encore, on est foutu. Hey, j'ai fait ce que j'ai pu. Ben, il faut en faire plus. Faut être invisible. NUSA. Myers? Ils arrivent. Dans 45 secondes, grand max. Par ici. Vite! Et merde! La IFIA va nous trouver, comme Reed l'avait dit. Non, on va faire... Putain, elle est à bord! Ils vont se poser. Ouvre-la! Somi, rentre, vite! De l'hélice. Attrape une des pales. Je vais me blesser. Je vois une lumière devant. C'est la sécurité. Attends. C'est bon, c'est passé. Maintenant, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. Merde. Madame la Présidente. Agent spécial Reed. On a confirmé la présence de V ici, au NCX. La FIA doit t'avoir à l'œil depuis que t'as franchi la sécurité. Ils sont sommés. Allez, bouge, ils vont nous repérer. Elle est sûrement trop faible pour se déplacer seule. Elle doit être cachée quelque part, en train d'attendre. Je veux des certitudes, pas des suppositions. Est-ce qu'Orbital Air sait ce qui est en jeu? Ils ont déclenché l'alarme, mais on n'a pas trouvé V. Et nos agents? Quelques-uns sont fait démasquer. Orbital Air n'obtiendra rien d'eux, je peux vous le garantir.
Les agents qui n'ont pas été grillés cherchent Songbird. On discutera des erreurs opérationnelles plus tard. Savoir demander de l'aide n'a jamais été votre point fort. J'ai donc décidé d'appeler des renforts à votre place. Je contrôle parfaitement la situation. Non, Sol. Vous avez perdu le contrôle depuis un moment. Il serait temps de l'admettre. Voilà le vrai visage de Rosalind Myers. Sur les affiches, c'est que des conneries. Je sais que vous tenez à elle, que vous l'aimez. Vous l'avez recrutée, entraînée. Je comprends que vous vouliez la protéger, mais gardez à l'esprit que vous avez avant tout un devoir envers votre pays. Songbird a fait son choix. Maintenant, elle va en découvrir les conséquences. Une dernière chose, Sol. Le projet dont elle faisait partie. Il doit rester secret. Je ne veux pas de fuite. Ça sent mauvais. Très mauvais. Si notre petit oiseau tombe entre de mauvaises mains, je préfère ne pas imaginer ce qui arrivera. Tout ça, on est les seuls dans la confidence. Ça détruirait les NUSA. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. On est bien d'accord. Il n'y aura aucun risque, je vous le garantis. T'as entendu ça? Pour votre information, ce n'est pas plus facile pour moi, Reed. Je l'aimais, cette petite. J'avais confiance en elle. Mais certains choix sont irréversibles. On parle de vos choix ou des siens? Je vous demande pardon? Vous avez bien entendu, mais peu importe. Je sais ce que j'ai à faire et je le ferai. Je vous autorise à prendre toutes les mesures nécessaires. Évitez juste de lui tirer dans la tête. Il fallait s'y attendre. Vous l'avez entendu. Bien, chef. On est baisé. Complètement baisé. Relax. Je suis là et je vais pas t'abandonner. Ils t'auront pas. Tu la connais pas. Pour assouvir sa soif de vengeance, elle me retrouverait jusqu'en enfer. Fous ton camp.
train d'évacuer les civils. Alors ils vont débarquer avec les gros moyens. Ok. On retourne au terminal. On doit le traverser au plus vite, avant que ça commence à chier. On doit prendre le train jusqu'à la rampe de lancement. Mais avant, il va falloir traverser le terminal Tico. USA contre Orbital Air. J'espère que ces connards vont se faire tuer. C'était à deux doigts. Je doute qu'il nous ait vus. Mais si cet hélico nous repère, on peut faire nos prières. On va faire en sorte de l'éviter, alors. Y a personne. Passe devant. J'ai la tête qui tourne. Je pourrais jeter un œil à ton chrome. Et c'est pas risqué. Je connais la plupart de tes sous-ensembles. Je pourrais lancer un diagnostic auto, te donner accès à ton BIOS. Les données s'affichent. Je peux overclocker les compensateurs. J'espère qu'ils tiendront. Ça devait se passer différemment. Sans problème. Mais c'est l'objectif qui compte, pas vrai? Et on touche au but. Y a un truc que t'as oublié de me dire. Qui t'a mis sur ce vol? C'est drôle, mais j'en sais rien. Un intermédiaire s'est pointé, un corpo, tout ce qu'il y a de plus banal. Costard discret et coûteux, cheveux noirs, les yeux bleus. Il m'a posé quelques questions auxquelles moi seul pouvais répondre. Tu lui as parlé du mur noir? Entre autres choses. Je préfère pas en parler. Mais essaie de pas me juger, d'accord?
Au contraire, Somi, je te comprends. Et tu te débrouilles parfaitement. Pour une égoïste finie. Mais non, arrête! Allez, il est temps de se ressaisir. Aide-moi à me relever, tu veux? Chez Arasaka, à la fontaine à eau, j'ai entendu des rumeurs sur des cliniques corpus secrètes en orbite. Des labos illégaux pour produire des prototypes d'armes, des médicaments expérimentaux. Si les lois t'empêchent de faire un truc sur Terre, tu vas le faire dans l'espace. T'as l'air un peu mieux. Tu le penses vraiment? Ouais, je crois. On doit prendre le train. Il va direct jusqu'à la rampe de lancement. On est complètement exposé. Faut pas traîner là. Je me bouge. Ça va, t'as pas mal? Qu'est-ce que ça changerait? Ces connards vont pas renoncer. Ils mourront en accomplissant leur devoir. Direction la tour de contrôle. Je vais faire venir un train. Passe devant. On sait jamais. C'est trop calme. J'aime. Attention! Merde! Un piège! Ils seront pas comme ça. Plante-toi! On
élevée. Il nous barre la route. Direction la tour. Maintenant, je vais activer le panneau de contrôle pour faire venir le train. Tu veux que je fasse quoi? Protège ma zone de confort, laisse personne approcher. Pas de sbire de Myers. Ok. C'est parti. Bonne chance, Song. Blessé! On subit de lourdes pertes!
chance. Ça durera pas. On est dans la merde. Faut que je franchisse le mur noir. Pas le choix. Alors on y va avec un pont neural, je serai là en renfort. Ok, je suis pas contre. Un peu d'aide. T'es prête? Tu peux y aller. Appuie-toi sur moi. On a un train à prendre. Putain, ça fait mal. Je sais, Somi, mais t'es assurée. Tu nous as sauvé la peau. Hé, t'entends ça? C'est le mur noir. N'aie pas peur, Song. Je suis là, avec toi. Bientôt à la rampe. Enfin. Pouh. Toujours là? Tu tiens le coup? À ton avis, c'est la dernière ligne droite? Le pire est passé? Pour moi, le pire, c'est toujours ce qui s'est passé. Pas ce qui va arriver. Eh ben, une analyste optimiste. Je me demande comment t'as pu garder ton boulot. Il faut juste savoir équilibrer et séparer sa vie et son job. Écoute ce bourdonnement. Je voudrais m'endormir. Ne plus jamais me réveiller. Somi? J'ai fait un rêve récemment, à propos de Reed. Toujours le même cauchemar, avec ce même putain de train, dans lequel il meurt à cause de ce que j'ai fait. Peut-être que Reed fait exactement le même cauchemar. Il m'a déjà tout raconté, tu sais. J'avais accordé sa confiance pendant un moment. Et après, cette confiance, on l'a trahi. Johnny prendrait pas de gants, mais... moi, je dirais juste que... y a rien de pire que de trahir un ami. Je le regrette. Vraiment. Mais... impossible de revenir en arrière. J'aimerais juste...
En fait, je pense que Reed t'a pardonné. Song ? Reed est pas la seule personne que j'ai trahie. Ton esprit s'égare, Song. Sûrement à cause du mur noir. La matrice neurale, mais elle ne peut servir qu'une fois. Qu'une fois ? Comment ça ? C'est une IA captive venant d'au-delà du mur. Elle doit évoluer constamment pour exister. Je vais la libérer et interrompre le processus. Elle exécutera alors mes commandes avant de se désintégrer. C'est irréversible. Tu le savais depuis quand ? Qu'une seule d'entre nous pourrait s'en sortir. Quand j'ai appris pour Sinosure, j'ai commencé à creuser et... Putain, t'es sérieuse ? Je crois que je vais bientôt mourir. Je regrette de pas avoir été honnête avec toi. Je suis désolée. T'aurais pu me dire la vérité. Je t'aurais aidé de toute façon. Song ? Putain de merde, je suis impressionné. Le petit oiseau vous a tous menés en bateau. Myers, Hansen, Reed, toi... C'est pas la première fois que je me fais baiser, mais je crois que je peux encore marcher. Oh, la manière que t'as de faire face à l'adversité, je trouve ça parfois touchant. Cette nana te l'a quand même mise bien profond. T'as le droit d'être en colère, de vouloir lui arracher la tête. Mais elle a tenu bon jusqu'au bout. Et ça, ça mérite le respect. Rien à foutre. Le souci, là, c'est que toi et moi, on est de retour à la case départ. On reste avec notre problème. Trouver un moyen de sauver notre peau. Tu peux toujours contacter Reed par holo. Je pense qu'il me buterait. Tu te donnes trop d'importance, V. Tu représentes que dalle pour lui. Il n'y a qu'une seule personne qui l'intéresse. Bon, c'était sympa de tailler le bout de gravé. Mais il serait grand temps de la réveiller. Hé, Song, on arrive. T'as clairement besoin d'aide. On y est presque. On n'est plus très loin. Putain de merde. Arrête-toi. Recule encore et t'es morte. C'est bon, regarde. Je la pose. Doucement. Bon, c'est quoi tes intentions ? Reed, elle est mourante, putain. Je vois deux morts en sursis qui cherchent à mourir. Ce sera ta faute si elle meurt, tu le sais. Genre Mayer, c'est toi. Vous avez les mains propres. La mort, c'est tout ce qui l'attend sur la Lune. Tu veux la sauver ? Laisse-la moi. Sur le toit, Mayer s'a donné l'ordre de la tuer. Et t'as pas bronché. Tu nous as entendu ? J'ai pas raté un mot. La situation a changé. Alors laisse-moi son beurre. Je peux encore l'aider. Votre histoire d'il y a 7 ans. Song n'a fait que suivre les ordres de Myers. Mais elle s'est jamais pardonnée. Ce sera pareil pour toi. T'auras des remords jusqu'à la fin de ta vie. Mais il n'est plus question de Song, V. Non, là il s'agit de l'empêcher de déclencher une nouvelle guerre. Je vais emmener Songbird à Washington. Elle devra répondre de sa trahison.
T'as passé ta vie à te cacher derrière le drapeau des NUSA. Et un jour, il recouvrira ton cercueil. Tu comprendras jamais. Je comprends bien plus de choses que toi. Tu fais pas ça pour les NUSA. Ou pour Myers. Tu fais ça pour ta gueule. Parce que sans ça, t'es rien. T'es personne. Grandis un peu, putain. Ça fait longtemps que j'ai accepté mes échecs personnels. Mais comme je tiens à Sony, j'ai tout fait pour l'aider. Et elle s'est torchée avec tout ce que j'aurais pu dire pour la défendre. Elle va t'entraîner aussi dans sa chute. Confie-la moi, et tu sauveras ta peau. Toi, la FIA, ces putains de NUSA avec Myers à leur tête, vous avez rien à m'offrir. Que dalle. Vous avez les mains vides. Zuckerberg t'a pas donné ce qu'elle t'avait promis ? Le remède ? Il en existe qu'une seule dose. Et Song a décidé de la garder pour elle. Mais... elle me laisse sans rien. Je vois. Alors Songbird est à moi, mais cette dose est pour toi. J'ai besoin du remède. Et aussi de charcutocs qui savent l'utiliser. T'as mentionné des contacts perso en Europe. En Europe, et aussi à l'Anglie. Les spécialistes des NUSA sont des pointures. Ils extrairont les données pour toi et ils t'opéreront. Marché conclu. Je l'abandonnerai pas, Sol. Non. C'est trop tard. Merde. 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 T'avais pas le choix. Mais ton ami rejoindra Reed dans l'au-delà si tu ne bouges pas le cul. Ça va aller. Un dernier petit effort. La lune n'attend plus que toi, Somi. Tu vas pouvoir leur échapper. Tu sais, moi aussi, parfois, j'ai envie de tout plaquer. De tout laisser derrière moi. Ce serait le pire. Voyons voir ce qu'on a là. Système de survie actif. Diagnostic, pression, oxygène, pompe à perfusion. Doucement. Mémoire du système d'alerte effacée. On voyage. Par-delà les nuages. Écoutilles fermées et verrouillées. Alimentation interne activée. Pression en hydrogène suffisante pour le décollage. Séquence de démarrage. Automatique lancé. Bon, trop tard pour reculer. Moins 60 secondes. Allumage du moteur principal, RS-25. Et c'est parti. Première fois que je lance une navette spatiale. Et toi ? Pareil. Pareil pour moi. Moins 50 secondes. Propulseur à propergol solide allumé. Système d'allumage activé. Quoi qu'elle trouve en orbite, j'espère qu'elle sera heureuse. Elle est libre. Elle a réussi. Elle a profité un peu de ce qui m'a manqué. Cette putain de chance. La chance a rien à voir avec ça, Johnny. Elle et toi, vous vouliez des choses différentes. Vraiment. Et qu'est-ce que je désirais tant ? Vas-y, je t'écoute. Te faire applaudir, te faire ovationner. T'as vraiment tout fait pour satisfaire la foule. Ah, peut-être.
Ouais, j'aurais sûrement pu faire plus. Et différemment, peut-être. Mais peut-être que j'étais aussi convaincu que j'allais pas m'en sortir. Et peut-être que... Ouais, peut-être que cette nana a su aller au bout de ses idées, jusqu'à la fin. Mais moi, il me manquait ce petit plus dans ma détermination. Je sais pas. Tu vois, tu comprends quand t'essaies. C'est pas si compliqué, non? C'est pas grâce à toi. Va pas croire que t'y es pour quelque chose. Contente-toi d'admirer le spectacle. H0, décollage. Treasures are always lost. Pleasures and rage come back. I'm watching you. Be careful with your moves tonight. It's dark, so dark. We end it.
Emotions are always lost. Pleasures are long forgotten. Who are you now? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on dit adieu. Adieu à tes rêves d'avoir une belle et longue vie. On va pouvoir passer plus de temps ensemble, toi et moi. Putain, je suis trop jouasse. Et puis, tout est pas si mal. Des politiciens, des espions en guerre avec nous au milieu. Et on s'en sort indemne. Tu peux être sûr qu'on s'est fait des ennemis. Et ils sont puissants. Myers s'en souviendra. Elle laissera pas couler. Même pas en rêve. Après tout, t'as buté son chien le plus fidèle. Tu lui donnes trop d'importance, Johnny. Myers a déjà sacrifié Sol une fois, en le piégeant. Au moins cette fois, il a choisi comment mourir. Ouais, à sa façon. Il pouvait vraiment pas rêver mieux. En fait, aucun d'entre nous pourrait rêver mieux. C'est largement préférable au fait de continuer à vivre en sachant qu'on a chié sur ses idéaux. Faut que je me reconcentre sur moi maintenant. Sur ma propre trajectoire. T'as raison. Faire merder les projets des NUSA, envoyer un cyborg à moitié cané en orbite, ça ajoute à ta légende, c'est sûr. Mais là, l'heure continue de tourner. Tu vas mourir, et il faut qu'on trouve une solution. Mm-hmm.